Le Zadiven 2022, c'est ce week-end et on te dévoile les 4 nouveautés de cette 7ème édition. Le succès de la bataille des pixels sur Reddit a donné des idées à l'organisateur Zerator. Cette année, les viewers du Zadiven pourront débourser 1€ pour placer 10 pixels et contrairement au combat d'avril dernier, les pixels pourront être posés à la suite sans limite de temps. L'autre activité inédite, c'est le Twitch Plays Pokémon. Ce phénomène bien connu de Twitch consiste à finir le jeu Pokémon grâce aux indications des viewers dans le chat. Ici, l'objectif est de récolter un maximum de badges et pour chaque badge débloqué, un don sera fait par plusieurs streamers. Troisième nouveauté, c'est la présence d'Alain Chabat. Le streamer étoile l'a annoncé sur son compte Twitter, ils co-animeront le fameux Question pour un streamer, revisité à la sauce Burger Quiz pour l'occasion. Le live aura lieu ce samedi à 20h sur la chaîne Twitch d'Étoile. Enfin, cette année est aussi marquée par la présence du streamer Papsan. Ce vidéaste qui cumule plus de 159 000 followers sur Twitch fait ce qu'on appelle des streams IRL. Pendant tout le week-end, il proposera différentes activités en direct dans les rues de Montpellier. Le week-end promet donc d'être une nouvelle fois bien animé. Selon l'organisateur Zerator, ce Z-Event devrait être le dernier sous ce format. Il n'a pour autant pas précisé à quoi ressemblera l'événement l'année prochaine.